Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière vers une légende sur PES 2019. Vous avez eu un petit live mercredi soir. Petit live où vous le savez, j'ai pas parlé forcément très fort. Donc ça en a fait rire beaucoup parce qu'on aurait dit de la ASMR, c'est pas le but. Voilà, on va continuer tranquillement en vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification. Pour ne louper aucun live ni aucune vidéo, vous pouvez également mettre un petit like, vous le savez, c'est la récompense. Mettre un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et puis écoutez, vous pouvez également soutenir la chaîne via le lien de ma page YouTube qui se trouve dans la description. À la vôtre. Alors, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 3 matchs, il y a eu 2 victoires et une défaite avec 3 buts de mon joueur. Donc on se place plutôt pas mal. On est à 5 buts. 5 buts en 12 matchs. Pour un début de carrière, je trouve ça plutôt correct. Allez. Le tout, il va falloir être bon. Et surtout, il faut que mon équipe soit meilleure que ce qu'on a pu voir en live. Notamment dans le dernier match, parce que ça avait été relativement compliqué. Oh dommage, ça vous voyez par exemple c'est un ballon, je sais pas pourquoi il la joue si vite. Pourquoi il prend pas son temps pour aller fixer. C'est dommage, parce qu'on récupère un bon ballon. On la joue plutôt bien, mais derrière avec la précipitation on perd ce ballon. Et les joueurs ils ont pas les capacités techniques pour dribbler, ils vont le tenter. Moi je le tente pas. Allez si, une fois de temps en temps, mais sinon j'essaie de jouer le plus simple possible. Parce que je sais que mon joueur a pas les capacités de dribble requises pour ça. Allez, tranquille, hop là. Voilà, parfait ça. Ça commence. Voilà, on perd tous les ballons. Allez, vas-y tu. Ouais, très bien. Parfait. Impeccable. Voilà. Ouais, j'avoue que c'était pas un cadeau, mais. Ouais, le ballon est bon par contre là. Allez, frappe! Oh le poteau! Que ça aurait été beau! La passe décisive était bien vue! Une superbe récupération de balle. Allez, là j'ai l'œil. Ballon par-dessus la défense. Que c'était beau. Et derrière la frappe pied gauche. C'est dommage, il la prend pas à l'intérieur du pied. S'il la prend à l'intérieur du pied, c'est magnifique. Ça aurait été vraiment magnifique parce que là le but aurait été beau. Bonne récupération de balle. Derrière. Ah dommage. Ça va, je suis plutôt présent en ce début de rencontre. Le problème c'est que je suis pas présent dans ma zone de jeu. Je suis présent presque comme un 10 là tout de suite. Ah, ça c'est bien joué. Allez. Ouais, ça va. Très bien. Par contre, pourquoi il joue pas avec moi là? Parfait. Impeccable. Allez, attention. L'ouverture. Oh, j'allais dire l'ouverture du score. Oh, qu'est-ce qui croque là? Le salaud. J'ai pas pu la demander. Il y avait un joueur. Il y avait un joueur qui était juste devant moi. Parce que si je la demande, le ballon aurait été mal mis. Elle doit me voir arriver. Regardez. J'ai un blanc qui me couvre. Ah, si j'avais été tout seul, je l'aurais demandé. Dommage. Allez, vas-y. Dommage, là, on l'aura pas. Allez. Je me remets en place tranquillement. Ah, ça va, c'est bien récupéré. Je comprends pas. Pourquoi ici, un ballon comme ça, ça se met jamais au sol. Soit il fait une transversale, il met un ballon aérien. Après, c'est à lui de bien doser, mais au sol, c'était sûr que ça allait être intercepté. Ouh là 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 là, on a failli prendre le but là. D'entrée. Sur la première vraie occasion, on avait failli prendre un joli but. Faut se méfier de la Real Sociedad. Ça... Toujours une équipe compliquée. Ouais, heureusement, je me suis bien battu hein, parce que là. Ah non, je suis hors jeu.
c'est limite. Ah non, putain, je croyais que c'était plus limite que ça. J'ai vraiment cru que c'était plus limite que ça à un moment où je récupère le ballon. Allez, attention. Allez, 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 allez. Pas de but. Non, non, dommage. Ouh, j'ai tenté l'interception là. J'aurais peut-être pas dû. Elle sort, regarde, elle sort. Ouais, bien joué ça. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Attention. Faudrait pas qu'on perde un. Faudrait pas qu'on prenne un but bêtement juste avant la mi-temps là. Ah ouais, mais là, on n'y arrive pas. Hein. Là, il faut un pressing vraiment très important. Et puis nous, on n'arrive pas du tout à conserver ce ballon. Très bien, garde-la, garde-la pour l'instant. Très bien. T'aurais pu laisser l'avantage. Je sais que c'est pas moi qui vais le tirer, ce coup franc, c'est dommage. Chez les tirer dans PES, là. Il va y avoir corner, ouais. Il n'y a aucun danger. Je pense que le ballon était même pas cadré. Dommage. Allez, attention. Ah putain, nous on n'arrive pas à être au pressing pour récupérer ce ballon. Allez, moi je vais replacer mon joueur. Voilà. Milieu de terrain. Et on va attendre tranquillement. Il va se poser un peu. Ça va éviter d'utiliser de l'endurance. Parfait. Mais là, il y a faute, là, monsieur l'arbitre, peut-être, non? Sans déconner. Là, il met une boîte. Pourquoi il me la met à moi? Pourquoi est-ce qu'il me la met à moi? Je suis hors-jeu, je suis en train de revenir. Pourquoi est-ce qu'il me la met à moi? Pourquoi est-ce qu'il la met pas à l'autre attaquant? C'est idiot. C'est complètement idiot ce qu'il a fait. Je comprends pas. Réellement, des fois, je comprends pas l'IA. Il y a du jeu simple à faire. Même si c'est la mi-temps, on s'en fout. Il y a du jeu simple à faire pour essayer justement de créer du jeu, mais qui va mettre une transversale de l'autre côté, en plus sur un blanc. Allez, allez, joue là. Ah putain, mais prends là. Putain, ils prennent aucun ballon. Le mec, ils attaquent jamais les ballons. Voilà, très bien. Oh, mais c'est quoi ce ballon? Sans déconner, t'as la possibilité de mettre un super ballon au sol pour jouer. Non, il va mettre un ballon par-dessus la défense, sur le défenseur. Le mec, il est à 3 mètres de lui, quoi. Un ballon par-dessus. Et quoi ça sert? Très bien. Dommage. Mais viens pas avec moi, toi, banane. Ça sert à quoi que tu viennes jusque là? Ouah, si là, mais j'y demande en plus sur le contrôle. Ouah, si là, mais je suis tout seul face au but. J'avais mis des plus compliqués que ça. Il a l'avancante qui est tout seul plein axe. Pourquoi elle est croisée et chercher compliqué? C'est un truc de fou. Là, on se complique la vie quand même. Ah, bien joué ça. Là, c'est bien combiné. Mais là, lui, voilà. Bien servi.
Mais pourquoi pas la frappe enroulée, c'est dommage. Il y a un joueur qui vient la contrer. Comme c'était bien joué, regardez. Tac. Tac. Hop. Le 1-2. Putain, il faut qu'il y ait un joueur pour la contrer. Dommage. Dommage, là il y avait moyen encore. Monsieur l'arbitre. Il va falloir faire quelque chose, hein. On attaque la retardement, tout va bien. Et B, si jamais ça passe le mur, je suis tout seul face au but, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Yama. Il siffle quoi là? J'ai pas compris ce qu'il sifflait là. Surtout en montrant le mur. Allez, là, on prend un but là-dessus là. Le mec il monte le mur. Au pire, il y a une main. Je comprends pas trop ce qu'il a sifflé là, l'arbitre. Ok, voilà, encore une relance rapide du gardien. Pile sur un blanc. Donc là, ce ballon qui ne sert strictement à rien. Ok. Donc je crois que mon coach va se contenter du match. Enfin, se contente du match nul, je crois. Pas forcément parti pour aller chercher autre chose. Quand on voit les instructions, on joue pas très offensif. Oui, oui, oui. Mais pourquoi tu dégages? Et ça déconne, le mec il a le 5 à 4 mètres de lui et il va mettre une grande mine. Il joue la cour. Joue-moi sa cour, qu'on le garde ce ballon, qu'on essaye de construire quelque chose. Oh là 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 là. Et à chaque fois qu'on a mis des buts, c'est parce qu'on a joué un peu au foot. Ah là, on ne joue pas au foot, là. C'est, on joue à celui qui tape le plus loin, là. Laisse-la. Oh là là, c'est pour faire ça, laisse-la aller dehors, à cette balle. Allez, attention. Eh oui, ballon perdu. On se complique beaucoup, beaucoup, beaucoup trop la vie, là. Hors jeu. Ah, c'est moi qui demande le ballon là. Je sais même pas. Regardez. Pourquoi est-ce qu'il va la mettre au 9? S'il me la met à moi, je peux tenter au moins quelque chose par rapport au défenseur. Ah là, il met un ballon en plein axe. Le mec, il est entouré de 3 défenseurs. Mais on va lui mettre. Allez. Là, on fait aucun jeu. On a gagné 3-4 matchs d'affilée. Et là, depuis la défaite, la dernière fois, on ne produit plus aucun jeu. Plus rien. On laisse. Vraiment, on laisse tout le jeu, tous les ballons à l'équipe adverse. On laisse l'équipe adverse jouer. Et nous, on subit. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces relances. Je vais y être, je vais tenter d'y être. La bonne passe. Vous me viens au ballon au lieu de l'attendre. Putain. Pourquoi est-ce qu'il y vient pas, ce putain de ballon là? S'il y vient, il peut frapper tranquillement. Et c'est peut-être même plus puissant et plus intéressant de venir au ballon que de l'attendre. Allez, on va en avoir peut-être une dernière. Mais non, pas comme ça en tout cas. Et c'est la Real Sociedad qui va l'avoir la dernière occasion. Allez, attention.
Regardez. Et voilà. Ils ont une occasion en deuxième mi-temps. Ils marquent une seule occasion. Et nous, on sait pas faire ça. Et regardez, là, il vient au ballon. Hein. Regardez, il attaque le ballon. Tac. Moi, mon joueur, c'est à peu près le même ballon tout à l'heure. On le voit. Il est arrêté. Il arme la frappe. Alors, au moment où je fais la passe, il attend le ballon. Putain, mais viens-y à ce putain de ballon. Ah bon, en même temps, on n'est pas à notre place. Quatrième du championnat, on n'était pas à notre place. Donc, c'est un peu logique que l'IA essaye de rééquilibrer tout ça. Mais c'est pénible, quoi. Du coup, on joue plus. On joue plus. On n'a pas une occasion. Allez, connais, moi, j'ai 6. J'ai 6. L'autre, il a l'avant-centre, il a 6 aussi. Il a pas touché un ballon. Je comprends pas. Enfin bref, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mettre le petit pouce bleu, vous le savez, c'est la récompense et c'est super un petit peu important pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et puis bah écoutez, on se retrouve maintenant lundi pour une nouvelle vidéo sur PES 2019. Portez-vous bien, à bientôt, ciao tout le monde.